Bonjour à tous, c'est Vin Sky et je me retrouve aujourd'hui avec Wissam Ben Yedder ici, juste à côté de Monaco. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Content d'être ici? Très content. J'aime beaucoup ton jeu, pour être tout à fait honnête. J'aime bien parce que tu viens en fait du futsal, beaucoup de gens en parlent. Et c'est vrai que c'est assez atypique du coup parce que t'as un profil de joueur qui est avec une capacité de dribble, tu peux faire très mal. On me dit dans l'oreillette, tu sais que je vais me faire dribbler dans cette vidéo. Mais ça on verra plus tard, J'affiche actuellement sur l'écran ta carte FIFA Ultimate Team la plus forte que tu as dans le jeu actuellement. C'est une one to watch. Très bonne carte, très belle note. On va voir un petit peu ce que ça donne dans la vraie vie. Parce que là du coup c'est FIFA 20, mais on va regarder dans la vraie vie ce que ça donne. Est-ce que t'es chaud? Moi je suis partant et je suis chaud. Hein. On verra bien. Je sens qu'il va être vraiment bon. Ce que je te propose c'est de commencer par la note des passes avec le crossbar challenge. C'est une petite passe lobée on va dire. Hein. Okay, on s'affronte tous les deux et on voit, faut que tu me battes. Pas de soucis. Bon, Wissam, ce que je propose, c'est qu'on parte sur 5 essais chacun, ok? Alors juste, en s'échauffant, il a mis une balle, une barre. Donc on va voir si c'était la chance du premier ballon ou si ça va être validé maintenant. Ok, premier essai. Oui. Bien joué. Attention là. C'est plus difficile. Normalement, on devrait être à 1-1 parce que... Je vous l'ai dit, il l'a mis tout à l'heure, mais bon, c'était pas filmé, hein. C'était l'échauffement. C'est quand tu veux, oui, ça. Eh, mais c'est un truc de fou, en fait, on est sur 3 essais, 3 réussis, hein. Très gros niveau ce soir. Ah non. Deuxième essai. Oh! Je manquais un tout petit peu de puissance. J'avoue qu'on était pas loin. Bon, on reste à 1-1. Troisième essai pour moi. Ah, yes! Ce truc avancerait pas, mais si. 2-1. Ce qui m'arrange, c'est que tu loupes. J'avoue, ça me mettrait bien. Un peu moins de pression pour moi. Là, c'est ton troisième essai. Vous avez vu la petite technique? Il a raison. Ils sont pas tous gonflés de la même manière. Ça joue beaucoup sur le crossbar. Ah, non, non. Ah, dommage. Ah, tu marques, t'égalises, et après, tu pourrais essayer d'arracher la victoire. Si je marque celle-ci, je gagne. Et... Oh yes! Let's go! J'ai des très très faibles. Eh, du coup, ouais, le dernier essai marche, ça sert à rien. Si tu fais quand même, vas-y, let's go. Non, je le fais pas. Pourquoi? Je suis un mauvais perdant, moi. Oula! C'est un mauvais perdant. Ce premier défi du crossbar, je le gagne. Donc pour commencer, il échoue sur le défi des passes. J'avoue, j'ai été ultra chaud. Hein. 3 barres sur 5, c'était un bon Vin Sky. Allez, maintenant, on va parler un petit peu de la TOTY, la Team of the Year. Cette année, c'est un peu différent sur FIFA 20. Tout le monde peut voter pour la TOTY. Vous avez jusqu'au vendredi 20 décembre. Donc il reste quelques jours. N'hésitez pas, dans la description, il y a un lien pour aller voter. On va demander maintenant à Wissam un joueur par ligne dans cette TOTY qu'il verrait. Donc on va commencer, Wissam, par l'attaque. Lionel Messi. Ah bah oui, c'est logique. Et bon, rapidement pourquoi, même si on se doute pourquoi, mais en tout cas... Oui, c'est un joueur complet qui a toutes les caractéristiques, qui est très très efficace devant le but, ouais. Et qui déstabilise pas mal de défenseurs. Pas mal. Avec ses crochets, ses fins de frappe. Ouais, et même ses frappes et tout, ça impressionne toujours, parce qu'il frappe pas forcément tout le temps très fort, mais ses frappes sont toujours bien placées. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien. En peu de temps, il peut enclencher une frappe. C'est très efficace et ouais. Il lui faut pas beaucoup de secondes pour pouvoir enchaîner. Exactement, c'est ça. En 2-3 secondes d'inattention, c'est but direct. C'est impressionnant. Vu que Wissam vient du futsal, je sais que dans ce milieu, ça joue très technique. Un peu de freestyle, un peu de mélange de tout aussi, ça que j'aime bien aussi. Jeu du miroir, il a un geste à montrer. Je sais pas c'est quoi, il m'a même pas montré. J'ai vraiment gardé la surprise. J'aurais 3 essais pour le faire. Je sais pas à quel point ça sera difficile. On verra, peut-être que je sais le faire, peut-être que je sais pas le faire. Wissam, déjà parlons un petit peu de ce geste. Après tu vas nous le montrer, mais est-ce qu'il a un nom? Est-ce que tu... Non ou pas? Non, c'est un geste classique, c'est le tour du monde. D'accord. Le tour du monde, j'essaie de renchaîner plusieurs fois. Ah, plusieurs fois, ouais. Parce que moi, je sais faire le tour du monde. Je sais faire plusieurs fois. Mon record, c'est peut-être 4 ou 5. Mais c'est rare que j'arrive à 4 ou 5. Mais bref, je te laisse faire. Même si tu fais, imaginons ça, et tu reviens dans l'autre sens, je devrais le faire dans ce sens-là. Donc voilà, tu fais ce que tu veux. Okay. Tu dois vraiment recréer à la perfection ce que tu fais. Ouh, 5, 5, oh là là, 5. Ça, c'est mon record. Là, il me demande de faire dans tous mes essais mon record maintenant de l'égaler. Par contre, t'as fait quelle direction? Ah, ça m'arrange, je préfère parce que j'aime pas trop comme ça. Oh, je suis parti, hein. Ça, c'est le truc où tu t'arrives pas à t'arrêter, ça t'emmène jusque là-bas.
Je sais pas, la balle elle est trop proche de moi, là je foire. Bah du coup c'est un dernier point pour Wissam, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. J'avoue tu l'as fait assez rapidement, en faire 5 comme ça Ouais c'est mon idée un peu toute seule d'avoir un peu les jambes souples et de répéter souvent les efforts. Ouais parce que tonique, la tonicité, tu l'as très bien fait en peu de temps, donc vraiment bravo. Niveau jeu technique, Wissam a 4 étoiles. Du coup là-dessus il a validé, hein. Il a fait 5 tours du monde et j'ai pas réussi à les refaire. Il réussit donc ce défi des gestes techniques. Allez, on va continuer avec la Toti, et notamment le milieu de terrain. Donc milieu de terrain, qui tu verrais dans cette équipe de l'année? Il y en a beaucoup qui ont été bons. De Jong du Barça. Du Barça, ouais. Très belle année. Ouais. Et sur ses récupérations de balles et sa capacité à influencer le jeu. Ouais, c'est vrai que c'est un très bon joueur aussi complet. Il peut encore beaucoup progresser. Loin d'être à la fin de sa carrière, donc franchement, très bon joueur. Je vois bien. Encore progresser. Mieux et progresser encore avec les années à venir, mais ce qu'il fait c'est déjà... S'il est au Barça c'est fantastique, ça aide un petit peu pour progresser. J'ai vu sur internet qu'ils disent que t'es ambidextre. T'es vraiment aussi bon du pied droit du pied gauche? Oh non, je joue des deux pieds, pied droit, pied vraiment gauche. T'as... Depuis mon plus jeune âge, je joue du pied gauche aussi comme du pied droit, donc là, ah ouais, c'est impossible. Maîtriser les deux. Non, on passe à la note des tirs. Tout simplement, t'as une très bonne note en tir sur cette carte One to Watch. On va voir un petit peu, avec cette lucarne, si t'arrives à aller la chercher. Okay. Ok. Il a dit pied droit, pied gauche, on va voir s'il me fait un peu le kiff de faire les deux. Oula, alors là c'est un dégagement défenseur 90e, on gagne 1-0. Ah, ça se donne un peu mieux. Petit poteau rentrant, on se rapproche. Ouh. C'est presque un point pour le crossbar, ça. Ouais, ça fait jouer de peu, hein. Allez. Ah, c'est beau. Juste à côté, c'est quand même juste à côté. Oh. Voilà, ça commence vraiment à chauffer, là. Il y a une petite... J'aime bien cette petite électricité dans l'air, là. On touche au moins 3 fois la barre. Oh! Ouais! Moi je sais qu'elle touche le fil. Je sais pas si elle est rentrée parce qu'elle touche le fil. Tu retouches le fil. Oh non, mais c'est pas possible! Je la voyais dedans celle-ci! Oh le poteau! Ah là, elle est dedans! Elle est dedans! Elle est dedans! Eh oui! Là, elle est dedans! Bien joué! Bien joué, super! Ce défi, il peut rendre dingue! On a été très très bon, hein! Ouais. Parce que des barres, des poteaux, les fils, toi plusieurs fois! Ça se voyait que t'étais vraiment très précis! Ça valide la belle note de frappe que t'as! Et on passe maintenant à la suite pour une nouvelle note, ok? Ça marche! Ah, le défi des tirs, c'est lui qui gagne. Il a touché 2 fois le fil, la barre, le poteau, et il arrive enfin à l'arracher, à rentrer la balle dans la lucarne. Bravo à lui, franchement, il était chaud. On passe maintenant à la défense. En défense, Sergio Ramos. Ah, Sergio Ramos. Sergio Ramos, forcément. Pourtant, il est là depuis longtemps, mais c'est vrai qu'il dure, il dure. Hein. Ouais, ça reste un des meilleurs. Et il le prouve chaque année qu'il est costaud. Et voilà, c'est un leader, leader technique, par sa parole, par ses gestes, capable de contrer l'adversaire avec son expérience. J'avais la chance de le rencontrer, il m'avait vraiment impressionné, même physiquement c'est impressionnant que Sergio Ramos, je valide. Ok Wissam, c'est maintenant le dernier défi, c'est notamment les dribbles, parce que c'est là-dessus où t'es vraiment très très bon. Moi je vais être au milieu de terrain. Tu fais un peu ce que tu veux en fait, tu fais un dribble, c'est de me passer tout simplement. L'objectif c'est que tu ailles le plus loin possible sur le terrain et voilà, tu vois un peu le délire. Ok, c'est un peu... spécialité qu'on fait souvent match. Ah, ouais voilà, de toute façon oui voilà, c'est par rapport à ton poste, là t'es vraiment dans le truc. Let's go, parti pour ce dernier défi. C'est parti, let's go. Mira life for the ad.
ideas, I'm in a splash zone with the brain waves. I shoot for stars up in my aim is straight. I lay in the sand line in the Palisades. I'm Alec Baldwin with the angry face. Christian Bale with the black on black. Never trust these thoughts, I'd rather save the day. But if your man is a problem, then we can change the pace. Mom's is worried, I need to change my ways. I maybe cop the crib, I need the redwoods. Rake the leaves up from the money trees. Plant the seeds front and behind the scenes. I painted the dream how I live it. Well, smart and beware, they venom. I swear that I'm sick, I've got issues. Stick with the bars, I've been privileged. Bent off a sip of elixir. Bankroll need the commas and digits. My man or don't. Bref. Ouh, c'était pas loin. Hey, je savais qu'il allait me tenter le petit pont cher. Fermé légèrement. Toujours rien du tout. Allez dribble. Ah, je savais que j'allais devoir prendre cher. Et ouais, c'est très bon. J'ai anticipé comme les petits ponts, hein. Heureusement j'ai gardé la face. Mais c'est très rapide, c'est très vif. Et on sent le côté joueur de futsal. Je pense que sur grand terrain, avec des possibilités de frapper de passe, ça aurait été encore beaucoup plus compliqué. Pour terminer du coup, bah le gardien Alisson. Ah ouais, très 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 chaud. Très 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 bon gardien cette ouais, année. Hyper complet. Très complet, capable de grands exploits et capable de sauver son équipe à des moments. Ouais, c'est ça qu'on demande aux gardiens, c'est des fois quand on est un peu dans la difficulté, en plus être sauvé par lui, ça fait vraiment beaucoup de bien au niveau moral pour l'équipe, donc je valide aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a ton équipe dans le clash d'équipe. Là, ça fiche actuellement à l'écran. Essayez de l'affronter, ça va être difficile de la battre. Du 22 au 28, elle est disponible du coup dans le mode clash d'équipe. Donne-moi juste un joueur que t'as choisi et pourquoi tu l'as choisi. Zidane. Ça c'est sûr que Zidane, ça fait un peu peur quand tu tombes contre lui. Non, après, je l'ai choisi parce que voilà, c'est un joueur exceptionnel. Récupération de balles. Il ouais, donne des ballons, il fait gagner son équipe. Il brille, mais ouais, tout en restant quand même dans le collectif. C'est ça qui est impressionnant. Ah ouais, ça va être chaud de battre cette équipe, je vous le dis. C'est la fin de la vidéo, merci beaucoup Wissam d'avoir participé. Merci à toi, avec la lucarne. Avec la lucarne, ouais. Toi avec la barre. Ouais. Passez un bon moment. Ça, tout le monde est content par rapport à ça, c'est ça que ça voilà. Du coup, on avance, joyeux Noël à tous et bonne fête de fin d'année. Je pense que vous avez profité avec votre famille et vos amis. Merci encore Wissam, à très vite. C'était Vinsky, peace and game, salut. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que tu l'as apprécié. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait une vidéo avec un joueur pro, donc je suis vraiment content de pouvoir proposer cette vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner, d'activer les notifications. Et là, tu peux regarder deux autres vidéos. Fais-toi plaisir, mon pote, fais-toi plaisir. Allez, salut.